Ouais les gars, en direct de la première vidéo avec cette caméra. Bon, on nous voit ou pas? Vite fait, hein. La nuit c'est pas le mieux. Hein. On va faire un petit TikTok là. Oh putain. Naïm, t'as pas un sopalin gros? Ouais, je sais, viens. Ouais les gars, c'est le départ en vacances. Départ à Yoré Delmar avec mon chapeau. Oui. Une fure pendant déjà tout ce périple. Est-ce qu'on va arriver en Espagne? C'est la question. Parce que ça, c'est pas gagné. Quelle est la question, Odila? La question c'est, est-ce que avec le matériel disponible, les frontières de l'Espagne nous passeront? Naïm, c'est quoi la question? Moi, c'est ce que je m'endors pas au volant au bout de 30 minutes. Ouais, ça c'est une autre question. Ça. Ça me fume de rire cette caméra, ok? C'est bon pour vous là? C'est un peu une caméra embarquée quoi. Pour l'amour, là je vais te que. Putain, je perds les poteaux comme des briquets. Pour le fric. Alors, la blague, c'est. Parce que ça vous est déjà arrivé, si vous fumez la cible en conduisant, là tu fais, vas-y, un nuage devant ma route, et je vois pas la route. Bah vas-y, fais-le pour voir. Mais tu conduis. Merde, je vois plus rien. En fait, non, ça va. Toujours là. Il n'y a pas eu de beaux jours pour la voiture. Ça va là, ça avance. Ça se rentre, mais c'est cool. Petit point après 1h45 de route, on est toujours là, ça roule. En vrai, de vrai, pour l'instant, il y a pas trop de gens, je croise les doigts pour que ça continue. T'as dit quoi, Naïm? J'ai fait mon Uber 4 fois, mais je pense que ça va. Hein? Non, je putain, j'ai eu peur. Il attend de dire devant la caméra, tu sais. Tain, il le dit pas à nous, mais il le dit à la caméra. Ça, c'est bien, ça, c'est malin. Ça. Alors, on met pas de licence dans les voitures? Voilà. On est enfin arrivé à destination. Et on fait nos vacances. On fait nos vacances dans une station essence. Ouais. Moi j'aime bien l'odeur de l'essence, ça va. Pour passer mes journées ici. De quoi, dans la station d'essence? Ouais. Putain, ça va faire cher ça, moi je te le dis. Voilà, vas-y, mets-toi là, on s'en bat les couilles. Ok, ouais. Bougez pas, j'arrive. Dites-moi la place là avec tout. Attention! Ils viennent. On arrive, bougez-vous de là! Eux ils viennent du nord ou de Belgique, la vie de ma mère. Ah comment je suis trop bagarré! Y'a un mec qui essaye de me cadencer la bagnole là. Bah moi je vais lui en mettre une là, je vais aller en coller une ou deux quoi. Une ou deux ou quoi? Une ou deux, il va pas faire long feu hein. Il prend ma voiture. Ouais. 3€ le Red Bull? On est où? 3€10? On est où? 3€10 le Red Bull. Attends mais café ou Red Bull? Mais c'est toi qui vois, moi je vais prendre un café moi. Eh les mecs, café. J'ai volé. Faut pas dire, ça coûte trop cher. Regarde, café, clope, soleil, ce n'est pas bien. Ah ça c'est sûr. Hein. Une meuf? Non, il y a Naïm, j'ai pas besoin. Une meuf t'as dit? Ah neuf. Ouais, t'es avec qui hier? Qui c'est que j'ai croisé chez toi? Ma meuf. Ah. Voyez, vous fassez une confidence. Ici, il y a mon café, sur la bagnole de Vicky. Qu'est-ce qu'il y a? À tout moment, mon café tombe sur sa bagnole et fait une grande trace. Oh putain, mon café! Il va me refaire la peinture! Ça aurait pu être une éventualité. Tu vois, dans ce bagnole, il y a une spécialité, tu vois, dans ce bagnole. Elle a un maxi-cul. Je trouve, franchement. Elle a un maxi-boulard, cette bagnole. Sur ce, la bagnole va-t-elle arriver? Moi, je pense qu'on va pas durer en Espagne. C'est le sujet de la vidéo. Je pense qu'à la frontière, je pense qu'elle crève.
J'ai une roue de secours. J'ai le cric. Et j'ai de quoi poser la voiture. Et t'as de quoi. Il a le double cric. Il a de, double cric. Il a un cric. Au cas où le cric tombe, et bah il a un autre cric. Ah ouais. Pas une fois elle est tombée en panne. Pas une fois. Pas une fois. Ah là, bon, lui, ça va pas tarder. À destination, comme on disait, je pense que oui. Moi aussi, je pense. Avec peut-être quelques difficultés, peut-être. Non, en fait, il n'y en a pas eu. Non, je... Bref, voilà. C'est dur de se projeter là dans le montage qu'on fera. C'est très compliqué. Je disais que là-haut, il y a un super panorama pour les gens qui ont envie de partir à faible budget. Vous pouvez monter en haut de l'air de Vinci. Je voudrais un petit Ricard dans un verre ballon. Oh, je me suis chié dessus, je crois. Je vous jure, je crois, j'ai une trace dans mon caleçon là. Je monte sur la table. Je m'en fous, je suis plein comme un cartable. Remets-moi la petite sœur, même s'il est 5 heures. Mais avant de se coucher, on veut la tourner du patois. Donc voilà, les gars, si j'ai un truc à dire pendant qu'il n'y a plus de musique, c'est que voilà, pendant une semaine, je dis à la caméra. Nous n'allons pas pouvoir ce LeBron James. LeBron James est un super joueur de basket. Mais on va pas le voir pendant une semaine. On va pas le voir pendant une semaine. Mais bon. Charles Aznavour, je joue sa photo de profil. Bon, je vous tiens au courant, mais on a une prod qui arrive avec Guillaume sur le prochain album de Charles. Ça va, ça va. Il y a un. Drill FR 8. Bon, les gars, on est à 1h30. Naïm a toujours son t-shirt à l'envers. Je sais pas ce qu'il fait. Je vous avoue que moi personnellement je commence vraiment à en avoir ras le cul. Et c'est le cas de le dire en fait, parce que j'ai une grosse envie d'aller déféquer dans les toilettes d'une aire d'autoroute. Le mot déféquer est horrible. Ouais, ouais. Il est répugnant. Bon bref, oui voilà, c'est. Pour vous expliquer l'histoire, hier on a mangé un bon McDo. Mon ventre est entre Barcelone à 225 km et Perpignan à 42 km. En 20 km on s'arrête. Dans 1000 km on s'arrête. Je te donne la couronne. Mais avant je suis sur le trône. Je pars comme un prince. Attention, le premier péage de Julio. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va, premier avec les péages. Ah ouais, ils sont bloqués à 30. Quoi, nique sa mère, je vais aller là. Non, à droite, droite. Ils sont bloqués, c'est même pas à 30. Mais c'est parce que c'est pour ça. On appelle ça les tapettes. Nous, ça va vite. Mets-toi en deuxième quand même. Ouais. Oh. Voilà. Oh. Voilà les bien le péage. Bon, c'est où l'Espagne là? Alors les gars, là on arrive en Espagne. On n'est pas encore en Espagne. On arrive en Espagne, pas j'ai dit. Message de tri. J'ai dit on arrive en Espagne. Oh les gars, c'est l'Espagne. Putain, on arrive en Espagne. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ferme ta gueule. Il a encore trouvé le moyen de voler un bonbon là. Ouais, ouais. Allez, hop, ça c'est pour moi. Estás español, Bon bah allez, nickel. España. Bon les gars, amis. On est enfin en Espagne, wesh. Wesh. Incroyable en vrai. Ouais les gars, on est arrivé pour l'instant. On n'est pas encore arrivé parce que je suis au volant. Mais on roule bien toi, concentre-toi sur la route. Il a le permis depuis un mois et demi, il me fait peur. Marteau, je conduis comme un chef. Tu conduis comme Ratatouille frérot, c'est le chef que t'es. Ratatouille. Petit rat. Bon les mecs, en direct de Lloré del Mar. Oui. Hop là. Là, il y a de la pile couravion. Oh, c'est la grosse tête, hein. C'est la grosse tête. Bon, je vous montre un peu. Bon, même si pour l'instant, on voit chi. Mais voilà. Let's go. La route est compliquée pour le Julius. Ouais, très compliqué. Il a eu son permis il y a un mois et demi. C'est encore un jeune conducteur. C'est un jeune. Il a fait caler 8 ou 9 fois. C'est très compliqué d'avoir confiance seul lui. Et après, on va voir ce qu'on va faire. De toute façon, on va aller manger. Exactement. Dès qu'on mange. Là, on va manger quoi? On va manger un boudin blanc. Un boudin quoi? Un boudin noir, parce que c'est une spécialité française et ça me manque déjà. Ok, ferme ta gueule. Ça me manque. Allez, comment couper la gueule? Ouais, les gars, on est arrivado. Stamos, c'est le Burger King. Mec, oh les gars, c'est une putain de galère pour se garer. Je vous jure.
Il y a cher des places, mais il y a cher des voitures. C'est horrible. Merci, mec. Voilà, là c'est les vacaciones. Ça, si, señor, si. Je suis fatigué là. Ah ouais, fatigué completo. En fait, les gars, le problème ici, c'est qu'on peut pas se garer. Il n'y a pas de place au. Zéro gâchot. Burger King, là. Moi, mon gun, il m'a dit il veut Burger King, il est pris là. Ah, ton gun, il mange ici? Ah, mon gun, il mange là. Et t'en penses quoi? C'est de la bouffe de merde. Bah, écoutez, c'est de la bouffe de merde. Nous, à toute fois, je savais pas manger. Micro, ça c'est. Waouh, je suis recueil cadeau. Il y a Naïm qui arrive. Naïm, mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde-le. Tu sais, les escaliers pour monter aux toilettes. Ouais. En fait, tout le monde regarde. Sur la joue, je sais pas si on voit. En vrai? Ouais. Hola chicos! Enfin arrivé les frérots. Elle a bien. Nous on a cher Derek, c'est cher drôle. On a cher Derek ou cher Derek? Derek. Derek qui font Derek. Les gars, en direct de. En vrai, venez voir cet appart de dingue. Venez chez moi, entrez, mettez vos chaussons. Et voilà, on va visiter, c'est tout. Oh. La boucha. La boucha, comment c'est dit en espagnol? Elle est solide. Elle est solide. Elle est solide. Bon, c'est comment? Là, ici, petite chambrosse. À l'aise, hein. À l'aise, à l'aise. Ouais, ça va, c'est bien rangé. À l'aise. Ouais, ouais, bon, on s'en bat les couilles. Autre chambra. Autre chambra de la bandida, la petite climos. La clima. Avec la clima. Avec, bien évidemment... El toileto para les bras. Voilà, à l'aise, hein. À l'aise, à l'aise, d'où. Autre salle de bain d'eau. Autre salle de bain. Je vous passe encore une fois les détails. Voilà. Voilà, voilà. C'est quoi là, en fait? Oh, il y a la machine à laver. Waouh. Autre chambras. On a déjà montré, elle. Non, on l'a pas montré encore. Je crois pas. Autre chambras. Voilà, juste pour l'information, on est 7 dans cette famille. On est 7 dans la famille. Oui, on est une famille. La familia. Petit tapis pour faire du sport. Voilà, petit tabac au passé par las moreras. Las moreras de repassage. Mais là, on arrive dans la dinguerie. Là, on arrive dans une dinguerie. Là. On fait le gris du gris. C'est les mariés. Oh, c'est les futurs mariés. Là, on est là. La petite cuisine. Vas-y, viens, on va dans le salon. Je vais vous montrer notre chambre. C'est là où on va dormir. Là, c'est là où on va dormir. On posait tous les matelas. Il y a la clim ici. Todo bien. Attends, on va mettre la lumière as. En vrai, c'est cool, mec. C'est spacieux. C'est trop bien. Ouais, c'est spacieux de ouf. Entre mes paquets, ils arrivent. Parce que la pluie, le neige, j'ai vu. Attention. Je vais pas vous spoil, mais. Là, on arrive dans un endroit. Il faut respecter le lieu. Mesdames et messieurs, il est l'heure. Las terrazo. Las terrazo con el parabuelo. Un parabuelo. Ouais, c'est le truc le moins important en fait. C'est bon, t'as le max. Ça va encore derrière. Voilà, donc vous voyez le bonhomme tout en rouge là? Tu veux une chips? Non, ça va aller. Et bah voilà, c'est Jules. Et il est au loin. En fait, là, la terrasse, en fait, on a l'impression qu'elle fait 1,5 km. Et là, il y a aussi ça. Il y a un lit pour les plus aguerris. Les moustiques. Moustiquas. C'est pas anti-moustique, ça. C'est pas du tout un moustique. Ah, c'est moustique. Par la toxica, c'est... Oh, comme on est bien, par contre. Voilà, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est... Oh, les gars, on est mieux sur mon matelas. Les garçons, petite annonce, juste, il y a du jet. Ah, ah, ah. Merde, petite dédicace. Petito, Belvederos. Belvederos, des voilà. Vodka. Ça, c'est pour se mettre des bonnes races. C'est pour boire de la agua. Solo à l'agua. Not alcohol, because... Démonétisation. On n'est pas motisé. Ah ouais, c'est vrai. C'est faux. Bah, si, c'est envoyé la moula. Modération. Avec modération, hein, les jeunes.
Il est en vacances avec nous, Modération. C'est qui, Modération? Il est où? Il est où, Modération? Il est là, Modération. Il manque encore deux personnes que vous avez pas vues, Paul et Manon. Et puis voilà, vous allez nous suivre dans, bon, dans cette péripétie. On va voir l'état du vlog à la fin. L'état du vlog à la fin. Et ben déjà, je pense que là, le premier jour va être off. Enfin, ça va être fini pour ce premier jour. Il y a ce soir. Mais la conclusion était bien. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez nous suivre dans cette péripétie. Ça va être partagé en plusieurs jours. Donc voilà, c'est ça, c'est le premier épisode. Là, vous voyez le début. Comment on va être à la fin? La fin, ça va être quelque chose. Let's go, bang bang!